Hermione est prêt à envoyer une ogive par téléportation. Mais, croyez-moi, il va le faire sans le moindre enthousiasme. Et j'en prends pas de note, mon bac. Sommes-nous à portée de téléportation? Oui, mon colonel. Envoyez l'ogive dès que vous êtes prête. Je suis prête. 5. 4. L'ogive a été envoyée. Afin d'acquérir la vitesse nécessaire et atteindre une distance qui nous permettra de relayer à temps la transmission à Atlantis, fonctionnera à un niveau que je ne pourrai maintenir que pour une courte durée, avant que cela ne fasse des dégâts. Quel genre de dégâts? Les moteurs pourraient griller. En d'autres termes, nous serions coincés entre les galaxies. Bon, merci pour la traduction. Cependant, je crois être en mesure d'atteindre le point duquel nous pouvons relayer le message à Atlantis avant que l'hypernavigation ne soit endommagée. En êtes-vous certain? Puis-je procéder aux modifications, colonel? Oui, faites. On fait du tout. Je ne vois pas comment vous pourrez pousser davantage les moteurs sans... Docteur Kavanagh? Qu'y a-t-il? Cessez de parler, je vous prie. Merci. Bien. Vous disiez? Allons, détendez-vous, docteur. Il n'y a pas de quoi vous mettre dans cet état. Ah oui, vous avez raison. À moins, bien sûr, d'être coupable. Et dans ce cas, j'aurais... Désolée. Avez-vous remarqué si quelqu'un à bord avait, changé de comportement durant ces 2 semaines? Est-ce que, tout à coup, quelqu'un s'est mis à agir de façon bizarre ou suspecte? Non. Oh, peut-être... Oh, non, c'est bête, non. Je suis désolée. Voulez-vous un peu... Oh non, ce serait pire. J'ai le hoquet quand je suis angoissée et quand ça me tape sur les nerfs, il s'en va. Mais oui. Le gars avec une queue de cheval, le docteur Kavanagh. Il était toujours en train de regarder les ordinateurs, de regarder par-dessus mon épaule. Il faut l'être où, ce mec. Bon, enfin, je veux dire, son comportement était plutôt... bizarroïde, mais peut-être que c'est un gars bien et que je me trompe. Qui suis-je pour juger ce garçon? Bon, je crois que je ferais mieux de la boucler.